lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avant vite au frère Maxime, à l'ouvrir la Bible avec moi dans Hébreux chapitre 13, le verset 6. Hébreux chapitre 13, le verset 6, qui ça lui dit. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Amen. Amen. Comme ça, nous sommes capables de dire avec confiance, c'est bon Dieu qui a venu aider moi. Moi, pas peur en rien. Qui ça monde qui a fait moi? Amen. Adorable Père Saint-Jésus, Papa, qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous nous merci pour parole, oh, Papa. Et nous demandons tant prie. Fait que parole, oh, capable de libérer matin. Fait que parole, oh, capable de délivrer. Fait que parole, oh, capable d'avoir assurance. Qui vient dans vous-même seulement. Et non va glorifier. Au nom de Jésus, nos prières. Amen. Amen. Merci Seigneur. Assurance divine. C'est dans bon Dieu qui gagne assurance. C'est dans Jésus-Christ qui gagne assurance. Alléluia. Mais bien aimé, le nom gardé thématique ça. Li fait nous poser en pile question. Parce que le wap parle de assurance, son question non capable d'eau, mais bien aimé, qui déroutante pour plusieurs, pour un pile monde. Parce que il y a un pile monde qui fait croire que c'est monde qui manque la foi, qui a cherché protection, qui a cherché protéger yo avec assurance. La paix, bon Dieu, avec eux. Amen. Mais toutefois, qui te me dit, assurance là, li pas prévoir sinistre, non, li pas prévoir problème, li pas faire prévention ça, non. C'est pas un moyen pour compenser famille, non. C'est pas un moyen pour compenser l'autre, yo. Dans occasion perte que vous capable enregistrer, pour vous capable kembe yo stabilité économique, loin de là. Parce que si nous prenons garde qu'on y a dans la Bible, nous te ouais avant la fois dernière, nous te définis le pour, nous te dit qui ça, nous entendons par assurance là, bibliquement parlant, pas gain aucun côté mes bien-aimés si nous font coup d'œil dans la parole de Dieu, eh bien, parole de Dieu, est-ce que les promettes chrétiens yo, est-ce que les dit yo, eh bien, il y a exempt de tout danger. Est-ce que vous côté la Bible promet chrétien ou dit depuis au chrétien ou pas gain aucun problème ou exempt de tout danger, ou exempt de tout désastre, ou exempt de toute difficulté, ou exempt de toute catastrophe, hein? Non. Si me garder dans Ecclésiaste chapitre 9, mais bien aimé le verset 11, eh bien il dit car tout dépend moi parole ça la donne car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Donc nous devons, en tant que chrétiens, nous devons parler, nous devons attendre nous à vivre des situations difficiles. Nous devons attendre nous à vivre des situations difficiles à traverser des moments difficiles dans la vie, non. Jean 16, verset 33, il fait nous comme ça. Et si nous gardons dans l'acte des apôtres, tout, ou
pral wè nan chapitre 14 la nan verset 20 li fè nou konn sa tout. Mais par contre, côté parole ça va parler, mais bien aimé, nous gagnons promesse que bon Dieu fait nous tout. Que nous pas souffrir au-delà de ça que nous capables supporter. Dans Corinthiens 10 13. Donc prend précaution afin que nous capables protéger nous des effets qu'on y a que c'était déjà certain problème capable porter pour nous. Donc c'est un principe que la Bible enseigne nous, que son principe qui clairement enseigné dans la Bible, mes bien-aimés. Parce que parole bon Dieu il fait nous connaître dans Proverbe chapitre 27 le verset 12, il dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Alléluia. Les simples avancent et sont punis. Assurez-vous, mes bien-aimés, convenablement, chercher assurance d'un côté pour chercher assurance là, la vraie assurance, son démarche correcte que lié la paix bon Dieu avec vous. Même. Donc, son façon, eh bien, vous êtes capable d'où son façon pour épargner, son façon pour épargner pour besoin futur. La Bible enseigne nous ça. Les fins comme ça, mes bien-aimés, Proverbe 6, les versets 6 à 8. Donc, à l'aide d'assurance là qu'on y a, alléluia, qui ça peut arriver, mes bien-aimés? Eh bien, ça, on peut le compte qui j'en, on est capable de ranger comme pour demain, pour futur moins. Parce que le gagne-pain, qui ça le fait? Les préparer bien-être futur famille, au cas où l'état doué ta gagné yon un problème kap vini l'an mort ou bien ta vin important. Donc ça veut dire mes bien-aimés, si m'gade dans 2 Corinthiens 12 14 ou pral wè ça, ou pral wè nan 1 Timothée 5 yo, ou pral wè parole ça verset 8 ou pral wè et sou traversé nan Proverbe 13 22 tout ou apprendre ça. Mais il y a toute qualité assurance mes bien-aimés. Il y a tout genre d'assurance pour protéger le monde. Nous comme ça. Il y a toute qualité d'assurance. Je dis, c'est une course folle qu'a fait. Je dis, on est capable de dire, c'est un plus gros business qui gagne, business assurance. On dit, c'est un plus gros business qui a marché là. Assurance qui pour tout bagaille. Mais qu'on y a mes bien-aimés, gain assurance. Gain assurance avec assurance. Et si vous regardez dans la loi divine, ou vous regardez la loi divine, elle montre que nous responsables pour nous indemniser les gens qui frappent des capacités ou bien qui affectent négativement par une action. Ou pralouel dans Exode chapitre 21, ou après ça tourne dans Exode chapitre 22. Li fournit nous en pile exemple, mes bien-aimés, et de conditions générales, des situations ou bien des mesures compensatoires qui nécessaires. Donc ça veut dire, le haut monde gagne en assurance, par exemple, en assurance responsabilité, en assurance permettre ou atténuer impact financier, mes bien-aimés. Ka y moun ki touche ya, ça c'est clair. Et ça qu'faut pralwe, loi humaine nan. Les hommes qui ça yo fait. J'aime saute d'aujourd'hui, c'est yon dans petit gros business qui gagne, business assurance. Donc jodi a, loi humaine nan, les hommes, gouvernement yo, eh bien, yo exige ou assurance. Assurance nan tout soit fait. Assurance dans la question entreprise ou dans affaires, assurance responsabilité, pour avant pour enregistrer machine nous, yo mande yon assurance pour lui. Sou pral prêter l'argent, yo mande ou, yo exige en pile fois propriétaire kayo pour acheter yon assurance, même le pas propriétaire, même le c'est locataire, c'est le loué yo exige ou. Dans contrat, yo exige ou même pour acheter assurance pa ou.
pour assurer Kayla pendant que vous même vous avez assurance tout ou même vous exigez pour acheter une assurance pour Kayla tout. Donc toute qualité mes bien-aimés employeur yo exigez yo assurance pour employé yo. Donc toute qualité mes bien-aimés mais aussi longtemps que ça existait ou même ou obligé depuis ou pas des graines gauche à foi ou eh bien ou obéir. Donc je dis à frère Semio, voilà que la parole de Dieu lui dit c'est donc avec assurance, alléluia. Mais si les hommes viennent avec toute assurance ça yo et si bon Dieu lui-même depuis dans ancien temps lui enseigner assurance et responsabilité ya, et je dis à comment ou même pour t'a dit pas besoin assurance ça comment pour t'a dit pour chercher une autre assurance on c'est dans lui qui gagne assurance c'est dans lui qui gagne assurance le Seigneur dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux. Si vous gagnez maintenant cœur ou c'est chrétien, l'amour de Dieu en haut, et les caractériser mes bien-aimés par l'amour fraternel là. Donc, vous pouvez comprendre que vous devez considérer l'autre, vous devez l'autre. Donc, ça veut dire, assurez convenablement mes bien-aimés, cherchez vraie assurance là, l'essentiel. Si vous voulez vivre selon les principes enseignés par Christ, Jean Noël dans Matthieu 4:4. Donc, ça veut dire que faut démarche pour me joindre vraie assurance là, faut me faire l'essentiel, mes bien-aimés, pour m'assurer. Si je dis à moi dire les hommes réclament assurance pour toute bagaille, eh bien, mes bien-aimés, à plus forte raison, si les hommes, ils sont sensibles pour assurance, ils sont sensibles pour assurer tout bien, tout ça qu'on possède, tout ça qui a rapport à existence, les hommes réclament une assurance pour lui. À plus forte raison, mes bien-aimés, bon Dieu vivant, roi des rois, chef tout chef là, à plus forte raison, pour lui-même tout, lui réclamer une assurance. L'essentiel, mes bien-aimés, si vous voulez vivre selon le principe que Christ enseignait, et bien pour chercher assurance ça, pour chercher assurer, c'est ça que fait mes bien-aimés. Assurance ça, tout l'autre m'a dit pour débousser. Assurance ça, il n'a pas m'a dit pour débousser. La paix de Dieu avec vous. Amen. Assurance ça, il n'a pas m'a dit pour débousser. Regardez qui ça le dit. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance. La paix, bon Dieu, à vous. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mes bien-aimés, la foi est une ferme assurance. Gardez son besoin. La foi est une fortune. L'homme qui a la foi, ça, qui s'appelle ben moins. La foi étant une ferme assurance, il pral produit la caille moins bravoure. Il pral produit la caille moins faïence. Il pral produit la caille moins courage. Il pral produit la caille moins ténacité. Il pral produit la caille moins persévérance. Il pral produit la caille moins fermeté. Il pral produit la caille moins audace. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen. M'pas capable, mes bien-aimés. M'pas capable, pas gain assurance ça. Pour m'camper bien, pour m'avancer, vous avez saldou, vous avez la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Garantie que m'a besoin. Garantie que m'a besoin ça.
Moi besoin assurance ça et pas n'importe quelle assurance, une ferme assurance, assurance qui pas la gagne, assurance qui pas troquer, li pas troquer en rien, li pas venir chanter moken bot. Ou a paye pour assurance au chaque mois. Ou a bay ou paquet cob dans compagnie, l'arrivé pour claim, l'arrivé pour bon sac pour moi, y a chanter le paquet bot. Ya viré langue yo ba ou. Ou pas de ceci, ou pas de cela, ou pas de ceci, ou pas de cela. La foi est une formation des choses qu'on espère. Li pral produit la kamen bravo. Donc ça pral vin faire mes bien-aimés, la foi pral fait que mes bien-aimés, li pral fait tout ça que besoin, alléluia, yo tombé. On pral ouais, la foi ça qui fait assurance là. C'est lui qui va jeter toute muraille qui était capable de dresser devant, toute Jéricho qui campait devant, toute mer rouge qui devant, alléluia, toute Goliath qui dans la vie, il a tombé au nom de Jésus, parce que la foi va le rendre victorieux. La paix, bon Dieu avec vous. Bataille va mener, hein? Bataille va mener pour gagner dans la bataille, ça, mes bien-aimés, ou besoin la foi, parce que foi, ça, qui se ferme assurance, il va l'ouvrir porte pour vous, il va l'ouvrir. Yo, li pral bon, alléluia, sot ap chèche yo. Pi feb yo, pral vin fort. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. Pati en frèm sem yo. Ou besoin kounye ya. Fwa sa. Ki se ferme assurance la. Pour kapab mene ou kounye ya. Nan certitude la, nan garantie kou genyen. Parce que son package lié. Son package lié. Le app vend nous assurance. Bon, ici, tu détailles. Yo vend nous assurance en détail. En détail. Chaque bagay a pas. Mais assurance que bon Dieu baille là, son package que lié. Alléluia. Li fini avec Christ. Le Christ baoul, alléluia. Ou gen tout, mes bien-aimés. C'est ça que fait. Apôtre la doula. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Qu'on ça nous capable de dire avec confiance, c'est bon Dieu qui vient aider moi. Mais bien aimé, l'on garde foi Job, sous Al prend Job 19, sorti dans verset 23 pour arriver dans verset 27 là. Il dit, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un muret de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et mon et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Mes bien-aimés, au besoin de foi ça. Fais-moi assurance ça. C'est lui qui pour bon garantie qu'on besoin. C'est lui qui pour bon accès à toute protection qu'on a besoin. Ça fait apôtre Paul, parle de que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon assurance divine, mes bien-aimés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça fait Welkadoula, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Qui sont mon kafem? Si m'assuré dans Christ là, si bon Dieu c'est garanti, si bon Dieu m'a assurance, vous attendez ça d'où? Dites-vous lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tous, hein? Qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La paix, bon Dieu, avec vous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Attendez bien. Toutes choses. Pas en partie. Pas quelques bagailles. Toutes bagailles. Assurance que bon Dieu, bon là, lui complète, mes bien-aimés. Li pas manquer en rien. Et ça fait apôtre la continue pour nous. Qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu qui justifie. Mais assurance qu'on a besoin, mes bien-aimés. Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Autant de questions, mes bien-aimés. Que c'est seul ou bien assurance ça. Question ça, mes bien-aimés, yo pas bouleversante. Parce que la interroger, si Dieu est pour nous, attendez bien, mes bien-aimés. Si bon Dieu pour vous matin, hein, si bon Dieu pour aujourd'hui, à souge bon Dieu avec, qui escape contre nous? Hein? Les dit qui sera contre nous, les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous, les élus de Dieu. Qui est-ce qui a fait? Attendez bien. Et puis il parle bon, on listing. On listing, il parle d'où? Sera sa tribulation? L'angoisse, persécution, la faim, grand goût, nudité, péril, épée. Toute misère, tout problème, toute difficulté, est-ce que c'est ça qui a cassé par vous avec l'amour, mon Dieu? Dans toute bagaille, ça vous m'a bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Peut-être qui ça? Parce que nous gagnons le monde qui remet nous et l'amour plus fort que toute bagaille. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Et ça, oui, apôtre Paul, il faut comprendre, dans la foi là, dans la ferme assurance liant. C'est ça, mais c'est logique, la foi, apôtre Paul là, oui. C'est bon Dieu qui justifie. C'est Christ qui mourit pour vous. C'est Christ qui mourit pour nous. En plus, il ressuscité. Il est levé bien vivant et il est à droite. Papa, la paix intercédée pour nous. Et dans toute bagaille, mes bien-aimés, c'est ça qui vient faire que nous, plus que vainqueurs, nous avons marché, alléluia, dans la victoire, nous, parce que nous avons assurance ça. Nous avons certitude ça. Nous avons foi ça. Nous avons conviction ça. Nous avons sentiment de sécurité ça. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Alléluia. Parce que nous gain assurance, mes bien-aimés, que ni la mort, alléluia, que ni la vie, ni zanjio, ni domination, yo, ni toute bagaille kounye, mes bien-aimés, et toute bagaille qui est pour finir, ni toute puissance, yo, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, pas capable de séparer avec l'amour de Dieu qui manifestait dans Jésus-Christ, mes bien-aimés, Seigneur, et les mettez la foi ça, dans Jésus-Christ ça, moi joigne assurance ça, moi joigne protection ça, moi joigne sécurité ça, mes bien-aimés, que aucun autre monde pas capable de moi. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. La foi prétend à la certitude. La conviction, la croyance, le credo, l'audace et la fermeté. Donc, comme certitude, mes bien-aimés, pour le comprendre, certitude, adoption, assurance qu'on gagne que nous soyons adoptés. Nous pour le garder dans Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le bon Dieu avec moi là. Amen. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais on assurance que nous avons. Nos certitudes que nous sommes adoptés, nous sommes petites, alléluia. Jean chapitre 3, le verset du premier épître de Jean. Il parle de bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, alléluia, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle assurance, alléluia, moi sauvé, quelle assurance, moi c'est petit, bon Dieu. C'est pas acheté, non, mes bien-aimés. C'est pas coûte petite, non, alléluia. C'est pas une folie petite, non, que m'gagne. C'est pas une folie papa que m'gagne. C'est lui qui déclare par la foi en Jésus-Christ, alléluia. Une assurance que c'est petit, bon Dieu. Une assurance, alléluia, que moi délivré. Pour une certitude de délivrance, ou besoin qu'on qui côté ou une certitude ça, ou besoin d'un petit côté dans qui area, dans clause là, ou joigni dans policia et pour pas joigni dans Ésaïe chapitre 12 verset 2, il dit voici, Dieu est ma délivrance. Alléluia. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé.
Quelle assurance. Je suis sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on avait un peu bon Dieu? Et Samuel s'en va dire dans son 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui? Aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Mais assurance chrétien, gagne mes bien-aimés. Ou une certitude qu'on délivre. Et ça fait douleur prend Jésus, ou gagne toute bagaille. Son paquet de mes bien-aimés. Jésus n'a pas de détail là-dedans. Il n'y a pas de détail là-dedans, mes bien-aimés, ou gagne toute bagaille. Tout l'autre monde a beau toute bagaille en détail. Il y a beau tibayo en tient compte. Il a fait style sur vous, mais Jésus l'en prend, il boit toute bagaille. Salmi s'en va donner son 91. Tu ne craindrais ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Garde-moi assurance que je gagne. Ce n'est pas l'autre monde qui va me non. C'est le mien Christ. C'est dans l'île qui a garanti ça. C'est dans l'île qui a sécurité ça. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Merci, Seigneur. Assurance que moi gagne encore en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que disciple Jésus-Christ, moi gagne assurance, mes bien-aimés, la vie qui ne peut pas finir. Côté, je n'ai pas ici. Moi, je n'ai pas 1 Jean 5,13. Les malins dans l'Isa. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez ce que vous avez la vie éternelle. Vous, tendez bien mes bien-aimés, qui croyez au nom du Fils de Dieu, la foi est une ferme assurance. Et mes salbo, ou assurance de la vie éternelle. Pas de religion, pas comme ça. C'est pour dénomination qui comme ça. C'est pour pasteur qui t'a comme ça. Quel que soit renommé, quel que soit réputation, quel que soit taille l'église, li, méga church, whatever, saleté, il n'y a pas capable la vie éternelle. Il te mette un couple, il te mette billionnaire, il n'y a pas capable la vie éternelle. Il te mette à faire tout le continent. Il te mette saleté, il n'y a pas capable la vie éternelle. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez. Au nom du Fils de Dieu, moi assurance, mes bien-aimés, de la vie qui pape jamais finir. Moi assurance de la paix, libam la paix, mes bien-aimés. L'eldou, c'est donc avec assurance, donc c'est tout bagage que m'y a. Assurance en son paquet lié. Mes bien-aimés, les hommes venus au bout d'un à pas, les hommes venus au bout chez à pas, les hommes venus au bout assurance pas pour couvrir opération ça, il pas pour couvrir, alléluia. Oui, intervention ça. Li pa couvri parti ça. Li pa couvri ceci. Li pa couvri cancer. Li pa couvri ça. Mais dans Christ, mien tout, mes bien-aimés. Dans Christ, pa gen anyen ki pral vin dim. Oh oui, yo pa couvri ça. J'ai pa couvri. Dan pa couvri. Cancer pa couvri. Colon pa couvri. Non. On gon paix. Parce que li dim nan Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jésus-Christ, mes bien-aimés, qui gagne assurance. C'est dans Jésus-Christ qui gagne toute assurance qu'on a besoin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1er. La paix, bon Dieu, avec vous. Donc, mes bien-aimés, je vous dis, m'encouragez-vous, sous poco, prends assurance ça. Jodi a même m'invite yo a mande yon contrat. M'invite yo en pile l'autre agent a vin vann nou toute qualité assurance. Mais jodi a vin vann nou Christ. Vin vann nou assurance Jésus-Christ qui gen toute assurance la donne. Ou gen assurance vie la donne, ou gen santé à la donne, ou gen santé à li couvri tout organe yo net. Ça qu'on a besoin de couvrir. Parce que l'on prie, la répond non. L'on a une assurance que l'on a besoin de prière. Tendez ça le dire. Dans 1 Jean 5,
verset 14-15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Frère Samuel, c'est assurant ça pour gagner. Non, Jésus-Christ. Bon Dieu gagne tout. Il est le bon Christ. Vous mettez la foi dans le lit. Vous venez tout ça. Yo. Donc, ou pas problème la vie, il n'y a pas pour toi aller. Et ça le dit, oui. Dans 2 Corinthiens 4, 8, 10, là, il dit ça. Quel que soit Jean Saïe, persécuté, mais non abandonné. 2 Corinthiens 4, verset 9. Abattu, mais non perdu. Je dis à qui est-ce qui a bon ça? Gouvernement pas kabaoul. Gouvernement pas kabaoul. Religion pas kabaoul. C'est Christ qui kabaoul. Même le danger a vini, ou gon assurance que le pape poto allé. Et ou gon assurance de la gloire éternelle. Ou gon assurance de glorification, captain non. Mais assurance là. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous la verrons tel qu'il est. Donc je dis à Frère Semio, n'importe monde qui accepte assurant ça, eh bien, il a purifié, même Jean, lui-même, les purs. Assurance temps, pour qu'on aime mes bien-aimés, lorsque Apôtre Padoula, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Assurance là et bénéfice, expérience chrétienne. Assurance chrétienne li pousse à marcher, mes bien-aimés, dans une étroite communion avec Sauveur là. Je dis à Frère Samuel, dégagez-vous pour gagner assurance ça. Dégagez-vous pour faire effort pour prendre assurance ça. Parce que c'est une question de futur, c'est une question de demain, c'est une question de vie éternelle. Pas garder à droite, pas garder à gauche, parce que c'est lui-même qu'on a besoin aujourd'hui. Et on pas besoin de syncope pour faire ça. On pas besoin de syncope pour faire. C'est un mot seulement pour dire oui, oui, moi accepter, oui, moi recevoir. M'inviter, je dis, à venir prendre place dans le cœur, moi. Parce que moi, connaître, moi, c'est pécheur. Et dans ce sens-là, moi, j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est vous seulement capable de recevoir matin dans la vie, moi. Pour venir sauver, moi. Pour venir seigneur, moi. Et pour me passer toute la vie, moi. À servir. Et si vous faites ça, matin, vous signez le contrat. Par ici, vous avez une main. Et vous avez gagné un droit. À tout avantage ça yo, que seule assurance Christ là-bas. Que bon Dieu bénisse yo, que bon Dieu garde yo, que bon Dieu protège yo, et que bon Dieu passe avec yo. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, amen. Seigneur. Alléluia.